Pourquoi est-ce que j'ai mis test 90 de fauve? Je l'ai dit plusieurs fois à maintes et maintes reprises que le 60 de fauve, etc., c'était plus vraiment viable. Or, ce serait quand même assez délicat de ma part de vous dire que le truc n'est plus viable, mais de quand même l'utiliser. Donc, je vais essayer de prouver pourquoi est-ce que les fauves grands sur Rainbow Six sont meilleurs que les fauves petits. Ça va être très compliqué pour moi. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous en faire part? Parce que il y a beaucoup de personnes qui demandent « Ouais, le fauve, faut faire quoi ?» etc., machin truc. Je pense vraiment que la méta à l'heure actuelle, elle oblige à jouer en 90 de fauve, en particulier avec ce qui va arriver, à savoir le nerf des dropshots, en particulier avec ce qui va arriver, j'espère, dans le futur, à savoir la correction du pick advantage, etc. Et surtout, surtout, l'accélération du jeu, qui fait qu'en fait, tu n'as plus le temps de faire du clic droit, je zoome et je tiens des lignes pendant 3 heures, des petites lignes d'un pixel. Il faut envoyer. Donc, on le savait déjà, hein, c'est pas une nouveauté, je veux dire ce que je suis en train de vous dire, qu'il y avait déjà depuis plusieurs mois, tout le monde avait fait péter le réflexe quasiment sur toutes ses armes, etc. Mais je pense que 90 de fauve, 4 tiers et 3 demi, c'est le truc vers lequel il faut aller, quoi. Voilà, j'ai terminé. Plus tu joues, meilleur t'es, hein, forcément. Obligatoirement. Et voilà, c'était là. Il y a un adage qui dit « Quand la pomme tombe à terre, elle ne se relève pas. » Voilà. Qui s'en fout? They will attempt to locate it during the assault. Ça change quoi les FOV? Ça change quoi? Ça change énormément. Ça change toute la vision périphérique. Ça l'allonge ou la raccourcit. Putain, j'ai no aim. Je pue le cul, hein. C'est horrible. Oh, j'arrive pas du tout à viser les têtes. Heureusement qu'ils sont nuls. Mais les têtes en plus elles sont plus éloignées et plus petites. Ouais, c'est extrêmement difficile. Hein. Oh. Et moi je pue des aisselles, mais ça n'a aucun rapport avec le fauve. Effectivement, non. Quoique je pue le fauve. Ah si, tu vois. Ah si, on peut faire une comparaison avec le truc. Merci pour les 100 bits de la part de Kibas. Yes, I am. Ah mais merde, mais en fait j'ai pas le bon bouton pour parler. D'accord, c'est pour ça que ça marchait pas. De GG, merde. Est-ce que vous aussi vous avez des gros bugs son en jeu? Des fois j'ai le bruit des Mira en plein round. Ça vous le fait? C'est souvent quand il y a Mira à côté de moi que ça me le fait. Mec, ça s'appelle le LSD, faut arrêter d'en prendre. Ouais, faut peut-être passer à autre chose, là. Vous voyez des petits poneys passer en pleine game, comme ça, là. Ouais, non, t'aurais dû t'arrêter au LSD, c'est pas si mal comme blague. On pourra pas l'exploiter, celle-là, sur YouTube, j'ai l'impression. Non. Un peu aller trop loin, quoi. Mmh. Mais le fait que tu insistes comme ça, ça pousse le truc à l'utiliser quand même, tu vois. Bah, parce que j'arrive à retourner un bid en humour, en fait. C'est le génie, ça s'appelle. Ah d'accord. Mmh. Donc t'es dans une lampe. Oh, je l'ai défoncé. C'est moi qui t'ai tué, mec. C'est moi qui t'ai buté, mec. Mais j'entends. Mais le son il vient en face de moi, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est moi qui suis sourd? Ah maintenant j'ai le casque inversé encore. J'ai le casque inversé.
Merci Axis de t'être abonné. On est une super chaîne. On est deux super streamers. On est deux super mecs. On est deux beaux gosses en plus. Deux. Voilà. Ouais, tous les deux, on est assez bien foutus. Bien foutus. Ouais, bon, bah toi un peu moins, mais. Non, mais mec, je suis sur ta tête. On a des infos. Parce que ça a l'air d'être le bordel là. Ça va décaler là, fais gaffe. J'ai un drone, monte. Y'a un. Non, le truc, c'est mort, c'est de la merde. Enfin, double DMR, les mecs. J'adore le son. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je me suis senti. Le bruit de cette arme, elle est. Quel décalage, on va revoir ça. Bien viser la tête surtout. Voilà, ouais, voilà. Le torse. Non, mais en fait, pourquoi? Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi pas la tête? Parce que je sais que dans. Oui. La partie ventrale de Vigile est très sensible. Il a une gastro-entérite. D'accord, donc... ça marche. Mais la partie genou-halle, elle est comment? Parce que non, j'ai pas visé le genou. J'ai pas visé le genou. Je suis désolé, mec, c'était complètement le genou. Si vous pensez que c'était le genou, tapez 1. Si vous pensez que c'était le ventre, tapez 2. Bah, peut-être que votre kickam, c'était le bordel, mais moi, c'était le ventre. Voilà. T'es trop instrument, toi. On the way, win a good night. One op four remaining. Op four remaining. GG, guys. C'est mon pote qui t'a tué, on t'a feinté à deux. You have entered an enemy controlled area. Leave it. One op four remaining. Ça me fait des belles lèvres roses. Bienvenue sur le live de Mérine et de 6-4. Alors nous on est à Sotty Academy. Alors avant tout, on va faire un tuto make-up aujourd'hui. Comment se maquiller avec une glace à la framboise? Mais j'ai no aim! Il commence. Je te donne des infos. À droite. Sûr? Ouais, certain. Info sûr. 4 last operators standing. Oh enculé! Mais pourquoi vous allez tous où je vais, quoi? C'est dingue ça! On peut péter la fenêtre! Voilà, merci. Oh mais il m'emmerde lui! Le mec! Allez, viens pique là! Viens pique et pique! Et collégramme, et bourre et bourre, et ratata. Bonjour. Oh, il m'emmerde avec ses chiffres. Oh non. Oh, I didn't see, no.
Je suis à 4 mecs de la smoke là, ça sentait très bon à cet endroit là. Allez, Dusty Snipe. Allez, le double kill peut-être de Dusty Snipe. On est en 3v3, ça va être compliqué. Attention, Lyon qui vient de lancer le pin. On a donc l'information sur les deux derniers défenseurs. La double flash de Dusty Snipe. L'excellent le joueur de H. Ancien joueur des types d'équipe qui va décaler. Le pressure qui va balancer. Oh, le trade se fait tranquillement. C'est un 2v1, ça va être compliqué. Et le pressure, que je suis perdu. Wow. Magnifique. Oh, le son de cette arme me donne une érection. J'aime pas tes lunettes de soleil. Je coupe le son. Vous allez voir. Mary a l'habitude de faire toujours la même chose. Il va aller se mettre là. Il va mettre une impact grenade juste là. Et il va venir se mettre là. Regardez là. Merci beaucoup. Regardez là. Il va venir se mettre là. Merci à toi. Regardez là. Merci de nous aider. Il va faire que ça. Il fait que ça tout le temps. Tout le temps. La Salty Academy. C'était limite hein. Pour le resub de 2 mois, merci à toi de payer les mois de scolarité. Il est où? J'ai soufflé mon mic dans le couloir. Il arrive sur moi. Bah il est pas loin de moi mec, je l'entends. Je vais chercher un peu. Là les j'ai gâté. T'as attendu qu'il marche. Merci. For the kill! Les gars, je t'ai pris une batte. Ah, dans mon dos! Vas-y. Pourquoi tu l'as tué, mec? J'allais le flasher et tout. Vas-y. Bah non, vas-y. Ouais, c'est vrai, pardon. Vas-y, je le troll, tu sais. J'ai évité ton bouclier, mec. Ah ouais, parfait. Alors là, franchement, très très beau. Un petit tir en arc de cercle. Il faut savoir apprécier parfois les belles choses. Hein. Ouais, merci Mary de nous proposer du si beau jeu. Ça fait plaisir. Là, c'était beau. Franchement, c'était oui. Beau. Après, beau, c'est peut-être pas la définition exacte. Mec, c'était esthétique. Je suis passé mon viseur. Je t'ai vu. J'ai passé mon viseur au-dessus pour refaire la courbe et revenir au niveau de sa tête. C'était parfait comme tir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte là? Bon, je t'ai beau.